mérité par la conscience. C'est pourquoi il est mérité par la conscience. Toute notre force et intelligence et être, nous le lui avons donné. Et il le mérite. Parce qu'à coucher la vie, nous sommes passés. Parce qu'il était mort pour nous et il est ressuscité. C'est pourquoi lorsque tu le loues ainsi, les tentations de toujours. On fait sa porte la mission au thé, et donc par la porte au péché, au nom de Jésus, la commande est suisse. Tiens à mon thé, Manayo, au boulissama. Il faut installer la sainteté dans ton cœur. Nous sommes préparés pour notre voyage, la mission. Nous nous préparons pour notre voyage. Enlèvement. Et aligné-toi. Au Koutarana, on va à l'animal. À la rencontre de l'époux. Il faut aller là-bas à la paix. Sois décision. Prends la décision. Si tu vas me voir, attends à ma film porno dans la chambre. C'est pour ceux qui regardent le film et pas pourtant. Et sa salité, ma tête. Ce sont des choses très sales. Salité, vraiment très sale. Il faut évacuer sans âme et valeur. Il faut savoir donner la valeur à Dieu. Tes yeux, mis sur la ton cœur, mon témoin. Mais on se fait sans âme et valeur. Et tout de toi, dans ton âme, quelques hommes auraient arrêté. Qui t'a banni tous ceux qui n'en ont pas Dieu. Tu es en train de t'enchaîner inutilement. Ça bloque sérieusement la vie de l'homme. Toutes ces choses-là sont sataniques. Les diables allaient m'attaquer aux joies. Accomplissement et la promesse dans la vie. Le diable n'aime pas que tu obtiennes l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi on cause à la vie à légèreté. C'est pourquoi il va chercher à tout prix que tu aies la vie de légèreté. Ça fait quoi? On aura ça lui. C'est le médecin qui m'avait dit qu'ils sont à traitement, mon corps. Ils allaient dans la même salle qui les allient traitement. Médecin, à combien de paroles de qui? Mon gars, à combien de paroles de qui? Quand il y a besoin de la rencontre et la parole, lorsque quelque chose va à l'encontre de la parole à Manon, le Seigneur sait ton problème avant qu'il n'arrive. Et quand cela avait commencé, cela a aussi sa fin. Ce qui est puissant, c'est ce qui est ami pour ça. Cela a sa fin. Comment tu doutes? Tu appelles, tu appelles le vaillant, mais de ses côtés, tu ne crois pas qu'il est vaillant. Comment douterais-tu de sa grandeur? Il faut que tombe la Jésus dans le compartiment de l'Union. Il faut élever Jésus dans tous les compartiments. On trouve Jésus-Christ. À où t'as Jésus-Christ? Paul a appelé à Corinthiens. Paul s'était adressé aux Corinthiens. Je n'étais pas venu vers vous chercher mon Dieu.
parmi vous. J'étais venu chercher Jésus. Jésus-Christ crucifié. Donc, on est autant dans la parole et la vie et la parole. Il est venu voir la parole et la vie et la parole parmi vous. Parce que Christ est crucifié, c'est la victoire sur les péchés. Oui, que Christ soit battu et crucifié. L'homme dans l'Écolade. Il y a mon nom dans l'Écolade. Et c'est ce que je suis venu voir ou vérifier. L'ingaos à l'adorateur du Seigneur dans ta vie. Donc, vie n'a eu de mal à adorer le Seigneur. Désire que ta vie puisse adorer le Seigneur. Ça vous tue. Le lingaos à la course, n'a eu. Dans tes courses. Le lingaos au lombard. Dans ton langage. Le lingaos au fanda. Dans ta manière. Les autres, c'est que Christ est loué. C'est la moitié réellement que Christ est loué. Et donc, on est pour ça, les gens vont pour ça. Plus c'est afin que Dieu puisse encore s'approcher de toi. Et tes paroles seront celles de Dieu. Parce que lui-même dit dans psaume. Vous êtes des dieux. Vous avez pas un zame. Mais vous voulez comprendre. Parce que vous faites au la bâton. Il faut que vous compreniez que. Il faut que tu comprennes. Ceux qui ont consacré vie à eux pour Christ. Si tu consacres ta vie pour le Christ. Ta parole est commune. Ta parole sera comme celle de Dieu. Et on résoudre le problème. Elle va commencer à résoudre le problème. Même ma canicine, même tes pensées. T'as aujourd'hui souci pour le tambour. Lorsque tu prends un souci en toi, le Seigneur marchera. Oui, alors, le libre, tambour, lorsque tu le crains. Il faut qu'on respire la crainte de Dieu. C'est qu'il ne faut plus parler pour Mamanza. Pour Mamanza, mais c'est toute une respiration. Donc la crainte de Dieu est toute une respiration. Zama, mais papa, vous pouvez selon moi congé à une minute à respiration. Et le Seigneur sait que c'est bon de te donner une valise. Tu verras comment tu seras étouffé. Non, non. Mais maintenant. La Bible trouve qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Il y a un peu de et c'est ça notre respiration. C'est plus là il faut réjouir, te réjouir. La vie du péché n'a pas d'intérêt. Le monde de l'autre côté, ça va être le monde n'a rien à te donner pour entrer à l'éternité. La Bible dit les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi celui qui veut vivre éternellement, il faut se retrouver dans la parole. Il doit se retrouver dans la parole. Une autre personne s'interroge, pourrais-je abandonner cette faiblesse? Oui, tu peux. Parce que Christ l'a vaincu. Oui, que Christ a l'obtenu à vous. Oui. Est-ce que je peux abandonner la publicité? Oui. Parlez. Pourquoi? Restez là avec. Parce qu'il y a son nom d'école. Il n'y a pas de réponse. C'est ça la réponse. Alors, on dit tout est accompli. Il avait dit non, ce qu'on dit sa vie. A qui qu'il y a le volontaire? Il n'avait rien laissé. Non, ce qu'on dit sa vie. Il avait tout accompli. Amen. Le Seigneur, comment? A dit qu'il n'a pas tout à la tête. Il n'aime pas sa vie. Il n'a pas tout à la tête. Remarquez, Nicolas, moi, il t'a dit. Remarque lorsqu'il marchait sur les eaux. Ah, oui. Les pasteurs de l'église viennent parce qu'il n'est pas pour contrôler le trait. Petit nom, bactérie, animaux, mais c'est quelqu'un qui a tant la littérature. Ah, ça, il est un nom, fantôme, fantôme. Je crie, éliment. Alors, lui, rassurez-vous bien que c'est moi. Moi, ce qui s'en va sauver tes animaux de taille. Maintenant, Pierre a dit. Parce qu'il faut vérifier le climat. Parce qu'il faut vérifier l'enseignement qui a dit. Si c'est pour ça. Sauve les animaux. Ordonne que je mange. Le Seigneur a dit oui. Le Seigneur a dit oui. Marche. T'as pour la tête pour la main. Remarquez, t'as besoin de revenir à moi. Dis-moi parce que Dieu a dit ici. Pierre vraiment qui tire au coré à moi. Pierre avait le sang de son pied sur lui. Il est là qui colonne avec le qu'est-ce qu'il avait saisi? Marche. C'était la parole du Seigneur. Marche. Il dit ici. Il a marché derrière toi. Non, ça va là, si bébé. Ça vient à sa vie qui tombe pour les gars. Ah, bah, il est au là. Il a commencé à marcher sur le tambour là. Il a marché. Après, il a zoom ici, après, il est rentré dans sa pensée. Aïe, il a pour
personne qui n'attend pas la terre. Il a pensé qu'un homme normal ne peut pas marcher sur les eaux. Il faut qu'il y ait dans la Bible. Il faut faire très attention avec la Bible. Pierre a dit qu'il est là pour attendre la guérir. Pierre était comme les guérir. À guérir. Les guérir. Pourquoi on a pas été? Il ne peut pas avoir peur de l'eau quand même. Mais personne ne m'a dit parce que c'était la prophétie. Mais il a fait ça dans la main. Lui n'était habitué à la rivière aux eaux. Et à pied de l'image, vina et sa vie, et ça va être mal. C'était l'eau au prix de l'hiver. C'était ça. C'est grâce à toi. Mais à cet endroit, il a eu peur. Parce que tu avais un message à donner. Pour nous avoir ça, la kina et l'eau pour Azara qui colombina. Il faut y évaluer. Il faut savoir. Parole à Jésus est changée. La parole de Jésus n'a fait pas changer. Mais là, il a la marche. Elle n'était restée que marche. Mais le mouvement de Pierre avait changé. Mais c'était le mouvement de Pierre qui avait changé. Et ça n'est pas douté. Parce qu'il avait douté de la parole. Mais la parole était restée intacte. Mais la parole était restée intacte. Et ça, pourquoi la parole est revenue? C'est comme la parole qui dit: vous chasserez les démons en mon nom. Et donc, il y a un ami qui m'a mis à combien? Et changé, cela n'a pas changé. Maintenant, tu rencontres quelqu'un possédé par les démons. Tu commences à prier. Au nom de Jésus. Maintenant la carte. Maintenant l'intérieur. Est-ce que vraiment il est? Est-ce que c'est vraiment qu'on va partir? Si tu es oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme on est ici. Est-ce que vraiment il faut qu'il est? C'est vraiment qu'on va partir. Parole est chargée. La parole n'a pas changé. Et ça, là, vous chasserez le démon à mon nom. Maintenant la carte. Parmi nous, on va venir à Congo. Vous ressusciterez le démon à mon nom. Vous savez que ça va avoir à Congo. Vous guérirez les malades à mon nom. Tu entres vraiment, tu les possèdes. Ça va se faire au capello et à vous. Il n'y a plus au Seigneur de te les donner. Et c'est pourquoi dans le Seigneur qui est dans la tête du cambo, tout est à la bataille. C'est pourquoi je te dis, dans tous les problèmes, il ne faut pas avoir de doute. Pour Jésus-Christ, ça fait ça déjà solution. Parce que Jésus-Christ a déjà donné la solution. Il y a un autre et c'est ce qui doit être en toi. Que Jésus-Christ a pas pour la vraiment richement. Que Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus-Christ assiste nous sur cet enseignement. Et que Jésus-Christ nous assiste dans cet enseignement. Et qu'il nous fasse grâce. Afoué la mission de l'Obamaïe. Et qu'il nous ouvre sa parole. Parce que Bisso doit être le côté. Parce que nous ne savons rien. Ce qui nous a été. Si ce n'est sa grâce. Dans cette alliance, mon côté à côté et à nos alliés, lui enseignera son concitoyen. Et puis son nom sur le côté n'est pas à Colo Jésus-Christ. Mais tous seront enseignés de Jésus-Christ. Nous allons prendre l'écriture que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons prendre l'écriture que nous allons utiliser aujourd'hui. Bah, et les manières se posent, c'est que pas lui Jérémie 5. Nous prenons Jérémie chapitre 5. Le verset 24. Le verset 24. On va aller même dans 23, puis dans 25. Je commence même à partir du verset 23 jusqu'à 25. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Attends qu'il n'a pas mon Jésus-Christ. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Libanda, les amis, à mon témoin, il y a un tépé, il y a un tombeau car. Ils se révoltent. Et s'en vont. Comme il a verset 24, il y a Jérémie 5. Ils ne disent pas dans leur cœur, Matika la kate kuruba na kutema na bango. Craignons l'Éternel notre Dieu. Donc Yahweh Nzambe ya biso. Qui donne la pluie en son temps. Oye apesa na mvula na tango na bango. La pluie de la première et de la verse saison. Vula ya tango ya liboso pe ya tango sima. Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens.
Amen. Nous autant petit à petit par la grâce de Dieu. Nous marchons petit à petit par la grâce de Dieu. Pour réunir par éléments ni on souhaite pour faciliter puis surtout comprendre le sept églises d'Asie. Réunissons tous les éléments qui vont nous faciliter à comprendre les sept églises d'Asie. À début à notre enseignement. Au début de notre enseignement. Nous avons lu d'abord Apocalypse chapitre 1er. Nous avions d'abord lu Apocalypse chapitre 1er. Pour insister qui est la lettre d'Apocalypse Mobima. Nous avions insisté que toute la lettre d'Apocalypse. Le Seigneur avait dit qu'on puisse la donner aux sept églises d'Asie. Pour avancer qui est toujours dans Apocalypse chapitre 1er. On avait encore avancé dans le même chapitre d'Apocalypse. Pour l'église. Pour voir qu'est-ce qu'on appelle église. On remarque que l'église est bien nommée royaume des sacrificateurs. On avait remarqué que l'église est appelée Bokondi Abandanganzambe. On avait montré ceci. Ce qui est en lumière. Si nous avons la lumière. Et que la lumière est présentée corps. Et que la lumière nous présente le corps. Il faut à la capacité à représenter du son ombre. Il faut que cette même lumière ait la capacité de nous présenter l'ombre du corps. Et encore, qu'elle ait écouté la texte dans l'écriture de Dieu. C'est pourquoi on était allé voir les textes dans les Saintes Écritures. Donc, insistons d'abord dans Hébreu chapitre 1er, verset 1er. On avait insisté dans Hébreu 1er, chapitre 1er. Qui parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Savez, alors, à l'Omata, n'a pas le lingué, zigué, nous voyons un exemple. On avait pris un exemple. Songe à Pharaon. Le songe de Pharaon. Dans Genèse 41. Dans Genèse 41. Pour les mandats que Pharaon a l'autre qui des sortes d'espèces. Donc des groupes et des groupes plutôt. On avait vu que Pharaon avait vu deux songes de deux choses différentes. À mon qui à bon. Il avait vu les vaches. Mais aussi les épis. Mais pourtant, qui, ceux qui ont mis notre on n'est pas à de la science, ma grand professeur de l'université. On avait dit qu'en amenant ou en apportant ces songes chez les sages de ces mondes, et pas peut-être c'est ceux qui signent vraiment. Ils vont nous dire que ces songes sont très différents. Et parce que ils sont liés à la science ou à la zoologie. Parce que les animaux sont liés à la science qui étudie les animaux. Ils étaient liés à la science qui se trouve avec la botanique. Et les arbres liés à la science qui étudie les plantes. Vraiment, dans le monde, ces choses sont très différentes. Mais quand la faculté du Saint-Esprit est pour ça, mais lorsque la faculté du Saint-Esprit s'est déclenchée dans la vie de Joseph, alors il sait qu'a rêvé Pharaon, à notre Pharaon, à l'autre, et il sait choses. Et ça t'a dit nous commentons par rapport à l'Esprit, par rapport au Saint-Esprit, ça va cause un homme dans le verset mon corps. Le Seigneur peut parler d'une vache dans un verset. Joseph a appelé ces plantes comme la répétition des vaches. Alors, pour ceux qui se langagent, alors on avait pris ces langages pour comprendre le texte hébreu 1. Hein?